Coucou les Cinders, j'espère que vous allez tous et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 juillet. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, quel est votre message ici? Observe attentivement, beaucoup de secrets se révéleront ainsi à toi. Donc ici, on vous demande d'observer les choses, d'observer les gens, d'observer les situations, peut-être pour avoir des compréhensions, pour vous permettre vous d'avancer, mais peut-être aussi pour vous permettre vous de vous observer également. De vous observer, alors avec la couleur bleue ici, d'observer par rapport aux émotions des personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'expriment pas leurs émotions ou peut-être qu'elles les expriment trop ou est-ce que c'est vous qui n'exprimez pas vos émotions également, il y a peut-être un manque de ce côté-là, peut-être qu'il y a aussi un problème au niveau de la communication, est-ce que les gens ne se brident pas dans leur communication, ou est-ce qu'il y en a qui communiquent trop à tort et à travers aussi, ça peut être révélateur de certains malaises, ça peut être révélateur d'un manque de confiance aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas aussi on vous demande d'observer autour de vous pour avoir des compréhensions, mais aussi observer vous. Même. Regardez-vous dans un miroir et observez-vous. Observez-vous par rapport à vos émotions. Observez-vous aussi par rapport à votre manière de communiquer. Ou si est-ce que vous communiquez en ce moment, parce que vous êtes quand même des êtres de communication. Est-ce que vous n'avez pas de problème dans votre communication? Ou est-ce que vous avez du mal à communiquer en ce moment? Est-ce que vous n'auriez peut-être pas besoin de. Vous avez peut-être besoin de communiquer vos doutes, vos ressentis, vos joies, vos peines, vos réussites. Peut-être qu'il y a un manque de ce côté-là. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici on vous dit vraiment qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous. Aussi bien vous concernant vous, peut-être qu'en observant votre entourage, peut-être que vous allez avoir des compréhensions aussi sur certaines manières de réagir de votre entourage. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais ici, vraiment, on vous dit de regarder, peut-être aussi pour avec la couleur bleue ici, afin de peut-être vous reconnecter également à une forme de sérénité en vous, peut-être pour retrouver une forme de paix, peut-être pour vous recentrer par rapport à vos objectifs et à la direction que vous voulez donner à votre vie aussi. Peut-être pour ne plus douter sur certaines choses. Donc oui, regardez autour de vous, observez les gens dans leur manière de communiquer, dans la manière de montrer ou de cacher leurs sentiments. Observez-vous vous-même et ça vous permettra d'avoir des compréhensions. Sacré message. En tout cas, c'était fluide. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de travail. Alors, est-ce que vous avez peut-être un travail sur vous à mettre en place? Peut-être qu'on vous dit ici que par rapport à votre travail, justement, peut-être qu'il y a des choses que vous avez à observer par rapport à votre travail, par rapport à vos collègues, par rapport à des mises en place, par rapport à des propositions. Ça peut parler aussi de ça. Vous voyez dans quel domaine de votre vie ça peut faire résonance. Ça peut aussi bien faire résonance dans votre domaine professionnel, par rapport à un projet personnel que vous voulez mettre, par rapport au relationnel, à votre vie de famille aussi et au domaine sentimental. Ce qu'ici, on vous dit, c'est que vous avez tous les outils. Pardon. On vous dit que vous avez tous les outils pour mettre en place certaines choses dans votre vie. Donc peut-être que vous retournez par rapport à quelque chose. Vous voyez, en plus, il y a le jaune pâle ici. On ne peut pas dire que vous brillez par votre confiance, par la confiance en vous. Oui, vous avez de la confiance en vous, mais c'est assez pâle hein, derrière. Hein. Donc ici, on vous demande vraiment de reprendre confiance en vous, d'aller de l'avant parce que vous avez les solutions, vous avez les compréhensions. Vous allez avoir des compréhensions justement parce que vous allez savoir observer autour de vous. En tout cas, ici, on vous dit qu'il y a vraiment, vous allez vraiment pouvoir œuvrer, mettre en place, construire quelque chose qui vous convient. Alors, vous voyez dans quel domaine, je répète, mais dans quel domaine de votre vie ça fait écho. Mais en tout cas, ici, oui, on vous dit que vous allez pouvoir vous retrousser les manches, peut-être aussi pour avancer vers un projet, avancer vers quelque chose qui vous tient à cœur, vers une personne aussi qui vous tient à cœur, que ce soit au niveau amical ou au niveau sentimental. Mais en tout cas, ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer justement. Faites-vous confiance. Ici, on vous dit, on vous parle de chance en plus. Regardez, alors là, déjà, regardez, on change de couleur de jaune. Ici, c'est un jaune pâle. Ici, c'est un jaune plutôt solaire, plutôt lumineux. Donc oui, vous avez peut-être commencé la semaine dans les doutes, mais en tout cas, ou dans un manque de confiance en vous. Mais par le fait que vous aurez observé les choses, ça va vous permettre d'ancrer, d'avoir des compréhensions, de bien vous ancrer dans ce que vous voulez, dans vos objectifs, dans ce que vous voulez mettre en place. Ça va vous permettre justement de reprendre confiance en vous. Et on vous dit que grâce à ça, eh ben, vous allez avoir des opportunités qui vont arriver vers vous. Peut-être qu'il va y avoir un heureux imprévu. Il y a une chance, peut-être qu'il y a une guérison aussi qui vient par là. Mais là, je dirais plutôt que c'est vraiment la chance. Il y a vraiment une chance qui vient vers vous, une forme d'abondance aussi, parce que la couleur verte, c'est aussi la couleur de l'abondance, c'est la couleur de l'argent, parce qu'on parle du dollar, et quand on parle du dollar, on dit toujours le billet vert.
Donc oui, il y a une forme de chance qui va vous apporter l'abondance, qui va vous surtout vous permettre de repartir sur un nouveau projet. En tout cas, ça va vous donner un élan nouveau, peut-être par rapport à un projet qui est déjà en place, qui avait que vous aviez, sur lequel vous avez peut-être du mal à avancer. En tout cas, ici, on vous parle d'un nouvel élan, d'un renouveau ou d'une nouveauté en tout cas. Il y a une opportunité qui vient vers vous, qui se dirige vers vous, et c'est tant mieux. Et en tout cas, vous voyez, vous allez reprendre confiance en vous, vous allez reprendre confiance dans vos objectifs, vous allez reprendre confiance dans la vie, et parce que vous aurez su observer, peut-être que vous allez avoir des compréhensions en observant votre entourage, en observant peut-être des émotions, des choses non dites, ou des choses qui sont peut-être mal exprimées, qui sont peut-être exprimées maladroitement aussi. Donc voyez comme ça vous parle, mais en tout cas ici on vous dit que vous allez avoir des solutions, vous allez avoir des compréhensions pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur, et en plus on vous dit qu'il va y avoir une heureuse coïncidence, il va y avoir une opportunité, il va y avoir un coup de chance pour vous qui va vous aider à avancer justement par rapport à ça. Ici, quel est votre message, ami Gémeaux? Aujourd'hui, ami Gémeaux, pour la semaine du 12 au 18 juillet, on te demande de te libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un. Tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Ah oui, ici vous êtes dans une énergie de tous les possibles parce que la chance plus le travail, on vous dit vraiment ici que vous avez tout en main, que vous avez tout pour avancer et réaliser ce que vous voulez en tout cas et pour aller sur le chemin. Donc ici, mettez vos doutes de côté, observez bien, peut-être observez bien aussi la mise en place, comment vous y prendre pour mettre en place ce qui vous tient à cœur. Mais en tout cas ici, on vous dit que tout est réuni cette semaine pour avancer dans le sens que vous voulez il y a vraiment un coup de pouce de l'univers, il y a un coup de pouce qui vient vers vous par rapport à quelque chose qui vous voyez comme ça vous parle, mais je suis sûre que ça va vous parler. Il y a vraiment un coup de pouce qui vient vers vous. Donc, on vous dit, tu as l'impression que cela n'est pas réalisable alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance car ces doutes ne sont pas fondés. Ayez confiance, oui, car ces doutes ne sont pas fondés. Et on vous parle de, regardez, l'énergie solaire ici avec la chance. Donc, il y a vraiment un coup de chance qui vient vers vous. Donc, sachez saisir cette opportunité, cette ouverture, cette nouveauté qui vient vers vous. Amis Gémeaux, il y a de très belles choses qui viennent vers vous. N'en doutez pas une seule seconde. Arrêtez avec vos doutes, mettez vos doutes sur pause et dirigez-vous vers ce qui vous fait plaisir. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous est clair. J'espère surtout que ça vous parle et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les Capricornes. Pas les Capricornes. À nous les Balances. Pardon. Pourquoi les Capricornes? Ça n'a rien à voir. Ici, quel est votre message, ami Balance? On vous dit, aie confiance en tes capacités. Ben oui, ayez confiance en vous. Ayez confiance, regardez la belle personne que vous êtes. Vous êtes une personne aimante, vous êtes une personne aimable. Vous êtes une personne capable de réaliser des choses. Vous êtes une personne qui est capable de sagesse, qui est capable de réflexion, qui est pas capable d'avoir de belles idées, de bonnes idées, des idées aussi... comment dirais-je, bienveillante aussi. Donc, soyez bienveillante et bienveillante, bienveillant et bienveillante envers vous-même. Donc, oui, ayez confiance en vous, ayez confiance en vos capacités, ayez confiance en vos envies, en ce que vous avez envie de faire, de mettre en place pour vous, en tout cas. Là aussi, c'est un fort message. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh bien oui, brillez, regardez, il y a le lion qui vient vous rendre visite. Oui, ayez confiance et soyez solaire. Même si vous êtes un signe d'air, on est bien d'accord, mais en plus ça rime, solaire, air. Oui, brillez, brillez avec toutes vos belles qualités, les qualités que vous avez, ami Balance, retrouvez cet équilibre. En tout cas ici, on vous dit que vous avez la force pour vous diriger vers ce qui vous convient. Vous êtes... En plus, avec le 11, c'est un chiffre maître, donc vous êtes vraiment aidé, vous êtes vraiment... Ici, c'est vraiment... vous êtes protégé aussi, il y a vraiment... ici, on vous dit surtout, ne doutez pas de vous, ayez confiance, regardez la belle personne que vous êtes capable de beaucoup plus de choses que vous ne le pensez. En plus, avec le lion, c'est quoi? C'est la force, c'est la détermination, c'est la persévérance, c'est aussi le côté solaire, le côté... brillant, vous êtes brillant et brillante, soyez assurés, prenez conscience de ça, prenez conscience de votre force, prenez conscience de votre personnalité, prenez conscience que vous savez, vous pouvez briller aux yeux des autres, mais avant tout, brillez à vos propres yeux, soyez assurez-vous d'avoir conscience de ça, que vous êtes brillant et brillante. Et on vous dit surtout de ne pas baisser les bras par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, par rapport à quelque chose que vous avez envie de mettre en place. En tout cas, ici, on vous dit vraiment, ayez le feu, quoi. Le lion, c'est un signe de feu par excellence, c'est un signe solaire, c'est un signe qui aime briller.
qui aime réussir. Donc ici, on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour réussir, vous avez tout ce qu'il faut pour briller, et surtout, ben, ayez cette confiance-là, n'en doutez pas une seule seconde. Je pense qu'ici, on vous matraque, hein. Peut-être qu'il y a une perte de confiance par rapport à un projet, peut-être par rapport aussi à un domaine sentimental, mais non, domaine sentimental aussi, vous savez plaire, vous allez plaire. Alors, si peut-être, vous n'avez peut-être pas plu à cette personne qui vous plaisait, mais c'est peut-être parce que cette personne, tout simplement, ne vous est pas destinée, elle ne vous convient pas sur d'autres plans, peut-être que vous aviez craqué sur elle au niveau physique, mais intérieurement, peut-être que c'est une personne qui ne vous convient pas du tout. Vous n'avez peut-être pas aucun centre d'intérêt. Vous voyez comme ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on vous dit oui, ne perdez pas confiance. Au contraire, le lion, c'est la confiance. C'est quelqu'un qui déborde de confiance. Le lion, il aime être au devant de la scène. Donc ici, on vous demande vraiment d'avoir confiance en vous et d'être au devant de la scène, de vous mettre en valeur. Mettez-vous en valeur. Oui, mettez-vous en valeur, ça vous permettra de retrouver, alors on vous parle de vacances, donc peut-être que mettez-vous en valeur, peut-être en prenant du repos, peut-être que vous avez besoin de repos, c'est peut-être pour ça que vous ne voyez plus ces belles qualités que vous avez également en vous. En tout cas, ce que je veux vous dire ici, c'est pas vraiment les vacances, hein. On va plutôt parler de oui, en prenant cette énergie, en étant solaire, en comprenant à quel point vous pouvez avoir confiance en vous, à quel point vous êtes brillant et brillante, ça va vous permettre de retrouver une forme de sérénité, ça va vous permettre de faire de retrouver la paix en vous. Oui, vous êtes brillant et brillante. Oui, vous êtes capable. Regardez tout ce que vous avez déjà réalisé jusqu'à présent. Oui, ben vous êtes comme tout le monde. Vous avez eu des échecs. On a tous des échecs. Mais il ne faut pas voir ça comme des échecs. Il faut voir ça comme des apprentissages et des expériences. Vous avez appris. Vous avez expérimenté. Donc, mais vous êtes quelqu'un de brillant et brillante. Arrêtez de douter. Vous êtes, reprenez confiance en vous. Vous pouvez avancer. Ce projet qui vous tient à cœur, vous êtes capable de le mettre en place. Vous êtes capable de le réaliser. Alors, voyez quelles sont vos capacités. Quelle personne peut vous aider. Ce dont vous avez besoin, vous êtes capable. Et quand vous allez prendre conscience que vous êtes capable aussi de séduire une personne qui vous plaît ou une personne qui va vous... La personne qui vous convient, vous serez en capacité de séduire la personne qui vous conviendra vraiment. Vous allez retrouver une forme de c'est ce que je vous dis, vous allez retrouver la sérénité, ça va vous permettre de guérir certaines choses aussi, cette perte de confiance. Ça va vous permettre aussi de retrouver confiance dans votre manière de communiquer. Vous allez retrouver une forme de paix en vous. Et vraiment, il y a vraiment quelque chose ici qui se dessine pour vous. C'est retrouver, vous devez vous recentrer sur vous. Vous devrez reprendre confiance en vous et en vos capacités. Et c'est ce que vous allez faire cette semaine. Je crois que c'est le gros du travail de cette semaine. C'est reprendre confiance en vous et avoir cette compréhension que vous êtes brillant et brillante et que vous êtes capable de faire beaucoup de choses dans quelques domaines que ce soit en tout cas. Et d'avoir cette compréhension, parce que je pense qu'il y a des choses ici qui vont se décanter, vous allez comprendre que, bah oui, peut-être que vous étiez peut-être en manque de résultats, mais les résultats vont arriver cette semaine, et ça va vous apporter une guérison, ça va vous permettre de reprendre confiance en vous, et de retrouver votre sérénité et votre calme en vous. Vous allez retrouver votre équilibre. Cet équilibre qui vous faisait défaut peut-être ces derniers temps, ces derniers jours, en tout cas, vous allez le retrouver, parce que vous allez comprendre à quel point, oui, vous pouvez vous faire confiance, oui, vous pouvez vous mettre en avant. Oui, vous êtes quelqu'un de brillant. Oui, vous êtes quelqu'un de fort et de forte. Et vous êtes quelqu'un de déterminé et de persévérant. Et en prenant conscience de toutes ces belles qualités, ça va vous permettre de retrouver la sérénité. Et peut-être guérir une blessure qu'il y avait en vous par rapport à des expériences précédentes. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? Aujourd'hui, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Bon, pour la semaine du 10, du 8. Oh là là, du 12 au 18 juillet. Ami Balance, on te demande de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Ben oui, le lion, il est magnifique. Hein, regardez, il n'a aucun doute là-dessus. Hein. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Et ben voilà, moi j'adore les cartes. Donc vous êtes dans une énergie solaire, oui, le lion va vous apporter cette énergie solaire, cette possibilité de reprendre confiance en vous. Cela va apporter de très beaux partages avec les autres. Oui, vous allez retrouver la sérénité, vous allez retrouver la force et détermination, et vous allez retrouver l'équilibre et la paix en vous. Donc oui, forcément, ça va vous permettre de partager des choses, ça va vous permettre aussi de mettre en place de nouvelles idées, d'être beaucoup plus créatif et créative que vous ne l'étiez ces derniers temps, parce que justement, vous allez vous apercevoir que vous êtes quelqu'un de bien. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous aura aidé. J'espère que ça vous éclaire. J'espère que ça vous parle également et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, prenez soin de vous. Et quand je vois vos énergies, ben oui, il y a un travail à faire sur vous cette semaine. Mais regardez le résultat. Hein. C'est pour partager de belles choses avec d'autres personnes. Et c'est peut-être pour séduire
la personne qui vous, dont vous avez envie et qui vous plaît vraiment. Voilà. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous les Verseaux. Alors les Verseaux ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Oui, toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Bah oui, l'enfance a sa beauté, l'adolescence a sa beauté aussi. C'est là où on prend conscience qu'on n'est pas nos parents, qu'on a aussi nos propres choix, qu'on a propres envies, qu'on a besoin de liberté aussi. Et après, au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, ben oui, effectivement, la vie a différentes beautés, mais à chaque fois qu'on avance dans notre vie, on peut se reconnecter à cet émerveillement, à cette beauté de la vie. Donc, toutes les époques de la vie ont des avantages, bien sûr des inconvénients, mais ici, on vous parle des avantages, sachez les reconnaître. Et oui, quand on est à l'âge adulte et qu'on travaille, on gagne son propre argent et on peut s'acheter ce qu'on a envie sans demander à papa et à maman. On est bien d'accord. Donc voilà, vous voyez comment ça peut vous parler, mais c'est à peu près ça. À chaque période de notre vie, on a de belles choses. On a nos enfants qui viennent. Après, on a nos petits-enfants. On a toujours de beaux cadeaux qui viennent vers nous. Et la vie sait nous récompenser si on sait voir aussi les choses que l'on a. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Verseau? On vous parle de la famille. Donc ici, peut-être qu'on vous dit qu'il y a cette semaine, peut-être que la famille va prendre beaucoup d'importance. En tout cas, ici, on peut vous parler aussi bien de la famille de cœur que de la famille de sang, mais on peut aussi parler de votre famille d'âme également. Donc peut-être qu'il va y avoir des reconnexions avec votre famille d'âme, que ce soit sur ce plan ou sur l'autre plan. C'est-à-dire que votre famille d'âme de l'autre côté, peut-être que va se reconnecter à vous pour vous apporter des compréhensions. Peut-être qu'elle va vous donner aussi un coup de pouce, peut-être par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place dans votre vie. Ou peut-être aussi pour vous permettre de rencontrer votre âme sœur. Ou peut-être que c'est ça aussi, peut-être qu'il y a une reconnexion avec votre âme sœur ou vos âmes sœurs, parce que vous sachez qu'on en a plusieurs. On peut avoir des âmes sœurs amicales, comme on peut avoir nos âmes sœurs au niveau sentimental, amoureux. Hein. Donc, mais ici, donc il va y avoir des reconnexions d'âmes sœurs, il va y avoir des reconnexions au niveau de famille d'âmes également. Donc moi, c'est plus comme ça que ça me parle, mais on peut y avoir aussi, peut-être que vous allez reprendre contact aussi avec une personne de votre famille, ou peut-être une personne, peut-être que vous allez reprendre contact avec un ami ou une amie que vous avez perdu de vue, ou ça fait longtemps que vous vouliez savoir ce que devenait cette personne. Peut-être que c'est via les réseaux sociaux que ça va se passer. En tout cas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, il y a un renouveau ici. Alors que ce soit votre famille d'âme, que ce soit par rapport à une âme sœur, que ce soit par rapport à un ami ou une amie que vous avez perdu de vue. En tout cas, ici, vous allez être entouré cette semaine. Il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la famille, quelle que soit la dénomination qu'on peut lui donner, famille de cœur, famille de sang, famille d'âme. Mais en tout cas, il y a des reconnexions ici. Et du côté subtil aussi, hein, je pense qu'ici, vous allez vraiment avoir des messages. Peut-être des messages qui vont vous aider à avoir des compréhensions sur ce qui vous préoccupe en ce moment. Donc, soyez bien attentifs et attentives aux signes. Au signe. Alors quand je parle des signes, ça peut être une plume, ça va vous dire que oui, on pense à toi et tu vas avoir une réponse. La réponse peut vous venir à travers d'un dialogue, à travers la télévision, par rapport à une pub aussi que vous allez peut-être voir, peut-être par rapport à un livre que vous êtes en train de lire, peut-être juste un mot sur une couverture. Vous voyez, comme ça vous parle peut-être aussi, vous allez intercepter une discussion entre deux personnes, il y a des mots qui vont vous parler. C'est ça aussi, avoir des signes. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion par rapport à ça. Et ici, on vous parle de l'argent. Donc ici, alors, il y a plusieurs messages. Soit il y a un héritage, soit vous avez perdu une personne et on vous parle d'héritage, on parle de. Il y a un héritage qui vient vers vous. Soit ici, on peut vous parler aussi. Il y a un renouveau sur l'argent, et en tout cas, il y a sur la valeur, en tout cas. Ici, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que la famille, quelle qu'elle soit, il y a une valeur. Ça vous apporte une valeur supplémentaire. Ou en tout cas, ça va vous permettre aussi de vous reconnecter justement à la valeur familiale. Peut-être que jusqu'à présent, vous ne prêtiez pas attention à votre famille. Et cette semaine, il va y avoir vraiment une reconnexion. Justement, vous allez comprendre à quel point une famille peut avoir de la valeur. Alors, on peut ne pas s'entendre avec ses parents, mais on peut s'entendre avec son frère et sa sœur. Et ça va vous apporter une plus-value. En tout cas, cette semaine, il va y avoir une abondance comme ça. Une abondance de reconnexion de liens. Ou alors, comme je vous disais, un héritage, une rentrée d'argent. Mais ici, vous regardez, c'est le 19, et pour moi, il y a un renouveau. Vous allez peut-être prendre aussi conscience de votre valeur au sein de votre famille, quelle qu'elle soit. Mais ici, il y a vraiment une reconnexion comme ça. Hein. C'est beaucoup plus. Oui, alors ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais en tout cas, il y a vraiment.
envie de se reconnecter à la valeur de la famille, de se reconnecter à sa famille et de prendre conscience de sa place au sein de sa famille également. Vous voyez comment ça vous parle, mais ici, oui, vous allez prendre conscience que que vous comptez par rapport à pour votre famille ou pour des gens autour de vous, que ce soit des gens que vous aimez, des gens qui vous aiment. Il y a des gens qui vont vous dire qu'ils vous aiment cette semaine. Alors peut-être que vous allez avoir cette compréhension qu'en fait, vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous vous considériez seul par rapport peut-être à un événement qui s'est produit dernièrement, mais là ici vous allez avoir on va vous montrer, on va vous démontrer le contraire, et ça va vous permettre d'avoir une guérison ici, ça va vous permettre d'aider, de guérir. Peut-être que vous s'étiez peut-être senti rejeté ces derniers temps. Ben non, vous n'êtes pas rejeté. Les gens vous observaient, ils attendaient juste peut-être le bon moment pour pouvoir vous parler, pour pouvoir intervenir, pour pouvoir vous redonner confiance en vous, pour pouvoir communiquer, parce que peut-être que vous étiez fermé aussi, donc peut-être que vous sentez beaucoup plus abordable cette semaine, et il va y avoir de la communication. Vous allez comprendre que vous avez de la valeur, que vous êtes aimé et que vous aimez. Vous allez prendre conscience de ce genre de choses ici. C'est comme ça que ça me parle. C'est le message qu'on insiste bien. C'est ce qu'on n'appelle pas, ne répète pas de m'envoyer comme message. C'est votre valeur. Prenez conscience de votre valeur. Reconnectez-vous à certaines de vos valeurs. Si la famille ou vos amis font partie de vos valeurs, reconnectez-vous. Peut-être que vous avez négligé vos liens amicaux, vos liens familiaux. Ici, on vous dit qu'il est temps de vous reconnecter à ça. Ça va vous permettre d'avoir des compréhensions d'avoir des guérisons. Ça va vous permettre de guérir quelque chose. Il y a peut-être une blessure par rapport à ça. Et peut-être que c'est pour ça que vous êtes éloigné ces derniers temps. Vous avez peut-être négligé vos amis, votre famille. Vous voyez comme ça vous parle. Il y a un lien qui a été négligé. Et on vous dit non, reprenez conscience que vous avez manqué de cette valeur. Il y a eu comme un manque ici. Et vous allez vous reconnecter justement à des choses qui vous tenaient à cœur, amis Verseau. Des énergies très fortes. Hein. Et ça va vous permettre de redonner confiance aussi, confiance en vous. Ça va vous permettre de reprendre confiance aussi en votre famille. Et vous allez de nouveau avoir confiance dans les personnes qui vous entourent. Mais parce que vous allez comprendre que c'était peut-être mis en retrait pour vous laisser le champ libre, pour pouvoir vous exprimer ou pour pouvoir ne pas vous exprimer justement. Et ils attendaient juste le bon moment pour vous montrer à quel point vous comptez pour eux, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit, ami Verseau? Aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur pour la semaine du 12 au 18 juillet. Donc, on vous demande de contacter une personne de cœur. Peut-être que c'est ici, prenez conscience de votre valeur, prenez conscience aussi du fait que vous avez besoin des autres, et il faut savoir aussi demander. C'est pas toujours dans le même sens. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi. C'est reconnexion à la famille d'âme, à la famille de cœur, à la famille de sang. Cette personne pense à vous aussi. Cette personne pense aussi à toi. Alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Oui, recontacte-la, je pense qu'il va y avoir. Vous allez comprendre que votre relation a une valeur aussi. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion. Alors, pas qu'avec cette personne, hein. Je pense qu'ici, vous allez vous reconnecter à différents liens, à différentes choses que jusqu'à présent, vous avez peut-être laissé de côté parce que vous avez d'autres préoccupations. Peut-être que vous allez vous apercevoir que vous avez peut-être négligé vos amis, peut-être que vous allez négliger votre famille aussi. Que ce soit votre partenaire de cœur, que ce soit vos enfants, que ce soit vos parents, vos frères et sœurs, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment une envie de se reconnecter, de ressouder des liens, parce que vous savez que ce sont des liens qui vous sont chers. Voilà. Voilà pour vous, amis Verseau. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça vous aide, j'espère que ça vous éclaire surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une très jolie semaine. Et quand je vois ces énergies, ben oui, il va y avoir une reconnexion. Ou vous avez un héritage, vous avez perdu quelqu'un. C'est possible aussi. Mais en tout cas, moi, je pense plus que c'est plus une valeur au niveau sentimental, une valeur de lien, en tout cas. De toute façon, c'est le message qu'on me fait passer. Le lien, les liens qu'il y a entre vous et les autres personnes. Donc, sachez les enrichir. Sachez aussi les préserver. Et sachez aussi les mettre en valeur. Voilà. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.